Je m'appelle Angelina Ballerina. Et j'adore danser devant les gens, surtout lorsqu'ils applaudissent et qu'ils me félicitent en criant mon nom. D'ailleurs, moi aussi j'aime applaudir et féliciter mes amis lorsqu'ils font quelque chose de spécial. Et surtout, n'oubliez pas que samedi après-midi aura lieu le grand marathon de Cheddarville. Waouh ! Vous croyez qu'on pourra aller le voir ? Bien sûr qu'on pourra y aller. La course commence devant la caserne des pompiers. Elle continue le long de ce chemin qui fait le tour de la ville et se termine devant la boutique de Madame Jeannette. Mais j'ai quelque chose d'encore plus passionnant à vous annoncer. Je suis très fière de vous dire que l'un des élèves de la classe a décidé de courir le marathon de Cheddarville. Hein ? On peut savoir qui c'est ? Allez, s'il vous plaît ! Eh bien, c'est Marco ! Tu étais un champion de la course. Je ne suis pas un champion. C'est juste que j'aime bien aller courir, faire du jogging. Mais tu dois être extrêmement fort pour courir le marathon. Pas tant que ça. Je vais courir tous les soirs. Je fais le tour de la cour d'école, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel? Mais Marco, c'est absolument formidable. Oh! Attendez! Laissez passer l'incroyable Marco, le célèbre coureur de marathon. Faites place. Laissez passer, laissez passer. Et 5, 6, 7 et 8. Et moi alors, quand est-ce que je peux danser? Pas encore, Marco. Regardez ça. Ouais. Eh bien, comme tu vois, je fais une pirouette. Marco, arrête ça immédiatement. Hein? Mais pourquoi? Un champion doit savoir économiser son énergie pour la course de samedi. Peut-être, mais on est seulement mardi, Angelina. Oui, mais tu pourrais te faire mal à la cheville en tournant comme ça. Et tu ne pourrais plus courir samedi. Je voulais seulement danser un peu. Désolée, Marco. Je crois que je vais devoir garder un œil sur toi si tu veux avoir une chance de gagner ce marathon. Cette fois, je t'ai eu, Adil. Oh. Marco, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je joue aux dames avec Adil. Tu n'as pas le temps, voyons. Tu devrais aller t'entraîner. Tu pourras rejouer aux dames après avoir passé la ligne d'arrivée. Oh, pas de danse, pas de jeu, c'est pas drôle. Oh. Papa, est-ce que tu as besoin de ton appareil photo samedi? Non, je ne pense pas. Super! Est-ce que tu pourras prendre une photo de Marco lorsqu'il franchira la ligne d'arrivée en premier? Allez, s'il te plaît. Tu es quand même le meilleur photographe de tout Cheddarville. Oh, d'accord. J'irai le prendre en photo. Merci, c'est formidable. Regardez-moi, moi aussi je veux courir comme Marco. Maman, est-ce que tu pourrais faire des drapeaux pour qu'on puisse l'encourager? S'il te plaît. Merci, maman. Excusez-moi. Je dois aller mettre au point ma chorégraphie de pom-pom girl. Qu'est-ce que c'est une pom-pom girl? Roi de la course, roi du sport, Marco, Marco, t'es le plus fort. Qu'est-ce que tu fais, Angelina? Je répète mes mouvements et j'invente des slogans pour mon équipe de pom-pom girls. Moi aussi, je peux être une pom-pom girl? Ce n'est pas facile, tu sais. Il faut que notre chorégraphie soit parfaite si on veut encourager Marco pendant le marathon. Oh, s'il te plaît, laisse-moi essayer. Bon, d'accord, Pauline. Tu n'as qu'à imiter ce que je fais. Vas-y, montre-moi. M-A-R-C-E-O, le plus rapide, c'est Marco. Ça fait mal. Je t'avais dit que c'était difficile d'être une pom-pom girl. Il faut savoir danser, faire de la gymnastique et crier les slogans en même temps.
C'est quoi un slogan? Eh bien, un slogan, si tu veux, c'est un peu comme un poème. Et un peu comme une chanson. Ça doit rimer, mais au lieu de chanter les paroles comme ça, c'est le meilleur, c'est une star. Tu les prononces en rythme. Écoute bien. C'est un champion, un héros. C'est le meilleur, c'est Marco. Ensuite, tu ajoutes les mouvements de danse et tu as ta chorégraphie. Dans le sud, dans le nord, on aime Marco, c'est le plus fort. Derrière, devant, en haut, en bas, c'est sûr, personne ne le battra. C'était super, Pauline. Bienvenue chez les Pom Pom Girls. Oui. Le week-end est très vite arrivé. C'était le jour de la grande course. J'avais fait tout ce que je pouvais pour que Marco se sente encouragé. Allez, Marco! C'est toi le meilleur! Vas-y! Hein? Angelina, qu'est-ce que tu fais? J'ai tout organisé pour toi. Les ballons, les drapeaux. Tout le monde est venu t'encourager. Oh. C'est un air composé pour toi. C'est moi qui l'ai inventé. Mais je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Mais tout le monde veut te voir gagner la course. Gagner la course? Je ne sais même plus si j'ai encore envie d'y participer à cette course. Comment ça? Mais enfin, Marco! Tout ce tralala, je n'aime pas ça. Je suis désolée, mais je ne vais pas courir ce marathon, Angelina. Oh. Alors, où est-il? Où se cache notre fameux champion? Désolée, je ne reste pas. Je dois essayer de le retrouver. Oh. Angelina? Oui? Qu'est-ce qui t'arrive d'un coup? C'est Marco. Il ne veut plus courir le marathon. Alors que j'ai passé la semaine à tout organiser, les ballons, les drapeaux, sans oublier la fanfare. Je vois ce qui te fait de la peine, Angelina. Tu ne comprends pas pourquoi Marco n'apprécie pas les efforts que tu as faits pour lui. Exactement. Vous croyez que j'en ai fait un peu trop, Mademoiselle Mimi? Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je crois que je n'aurais peut-être pas dû l'empêcher de danser ou de jouer aux dames. Et peut-être que je suis allée un peu loin avec mes histoires de slogans et de pom-pom girls. En tout cas, tu n'as rien fait de mal, Angelina. Encourager ses amis, c'est très bien. Mais certaines personnes n'aiment pas tant de tralala. Le grand marathon de Shelbyville débutera dans un peu moins de 10 minutes. Tous les coureurs sont attendus sur la ligne de départ. Il faut que je retrouve Marco. Je sais très bien qu'il ne voulait pas abandonner. Où est-ce qu'il peut bien être? Tu ne connais pas un endroit où il aime aller? Il a dit qu'il aimait courir dans la cour de l'école. La cour de l'école? Eh bien, peut-être que tu vas devoir courir un peu toi aussi, Angelina. Absolument. Merci beaucoup, mademoiselle. Marco, tu es là. Je suis si contente de t'avoir retrouvée. La course va bientôt commencer. S'il te plaît, reviens. Non, désolée. Je n'ai plus envie de courir aujourd'hui. Mais pourquoi? J'ai peur de décevoir tous mes amis si jamais je ne gagne pas. Tu les as persuadés que j'étais un champion. Et maintenant, ils s'attendent tous à ce que je gagne. Je n'avais pas peur ce matin. Mais quand j'ai vu tous ces drapeaux, ces ballons et ces pom-pom girls... Oh, je te demande pardon. Je me rends compte que je suis allée un peu trop loin. Ça n'a pas d'importance que tu gagnes. On est déjà tellement fiers que tu participes. C'est vrai? Mais oui, absolument, Marco. Dernier appel pour que les coureurs rejoignent la ligne de départ. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend? Allez, viens, je dois aller courir un marathon. Oui.
Angelina, je crois qu'il est temps de lancer un petit slogan pour Marco. Tout le monde en place! Formidable, Marco. Nous sommes tous extrêmement fiers de ce que tu as accompli. Oui, je n'ai pas gagné, mais j'ai fini la course. Et je n'aurais jamais réussi sans l'aide d'Angelina. Ce sont ses encouragements qui m'ont donné la force de continuer. Tu sais, l'année prochaine, peut-être que je participerai moi-même au marathon de Cedarville. Génial! Alors j'irai voir mon copain Adil et on deviendra tes pom-pom girls à toi. Youhou!